est parti pour une petite découverte de Assassin's Creed. Voilà là. Peut-être baisser un peu le son. Voilà. Je vais augmenter un petit peu mon micro. Allez, on est parti. Si OBS veut bien, parce que je galère avec OBS en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrête pas de planter, tout simplement. Dès que je touche une touche de mon stream deck ou quoi, dès que je change de scène, ça plante. C'est génial, non? Bon, allez. Let's go. Une nouvelle partie, comme vous voulez voir, je n'ai rien du tout. On va se faire normal. Attendez. Oui, en normal. On va être en normal aussi. Par défaut, on a l'habitude des Assassin's Creed. On voulait pas, si je racle un peu la gorge, je suis un peu malade, j'ai pris une petite grippe, ce n'est pas le Covid, une petite grippette. Silence, enfant des dieux, venez entendre mon terrible récit des prémices du temps. Tout était noir, tout était vide. Il n'y avait ni sable, ni mer, ni terre, ni ciel, ni herbe, ni air. Jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant. Et de ce hurlement, surgit le géant Ymir. Premier de tous les êtres. Ymir le fier, cruellement tué. Mais de ses os, et de son sang, et de sa cervelle, naquit le monde. Le monde où nous marchons et guerroyons. Te voilà. Ok, donc nous sommes un enfant, un garçon, je suppose. Aucune idée, peu importe. Allons fouiller un petit peu ce qui se passe par ici. Ouais, je pense qu'il n'y a rien à fouiller en fait, il faut juste sortir. Ok, on peut même pas courir ni quoi que ce soit. Et ben sortons. Ça s'amuse pas chez les Vikings. Voilà un air qui est ouais. Bah ça serait bien qu'il y ait de la musique. On entend pas la musique, non? Ouais, peut-être que c'est... Rejoindre la mini-option. Oui, on entend déjà un petit peu plus la musique. Ah, te voilà, ma petite reine. Bah. Alors, tu as vu notre roi? Ouais, approche. Encore sous, quoi, il est encore sous, ce petit roi. Ça. Faire ça pour moi. Bien. Ce soir,
pas le faire lui-même d'apporter son truc là. Ouais, danser un petit peu. C'est ça, danser. Bon, allez. Pas le temps de danser. Pas le temps de niaiser comme il dit. Qu'est-ce que tu veux, les... Tu n'as rien à voir. Viens, je vais te trouver je ça. Je ne peux pas. J'ai un cadeau pour ton père. Oh, ce que c'est beau. Ça doit valoir au moins deux robustes navires. Donne-moi ça, je lui offrirai. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'hydromel. De toute façon, c'est peut-être très bien, parce qu'à son âge... Pas boire d'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé, on répète. Jouer, ouais, on joue à quoi? D'accord. Bon, laisse tomber ta bouboule, toi. C'est chiant de pas pouvoir courir, on se fait arrêter toutes les deux secondes par des QTE. Avance! À 21h10, j'arrêterai le stream. Alors, je vais au cinéma ce soir. Je vais voir Moonfall Codex. C'est à 21h45 et du coup. Oui. Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier? Oui, tout ça, voilà. C'est une bonne idée. Et demain, ce sera un live en compagnie de Zero Day, en principe, faut qu'on se recapte, sur Lost Ark. Alors lui, il a déjà commencé l'aventure, vu qu'il avait un pack fondateur, donc il a déjà commencé, c'était quand mardi, je crois bien. Voilà. Moi, n'ayant pas le pack, j'ai pas voulu acheter le pack, et bien, j'attends sa sortie gratuite demain. Donc demain soir, ce sera du Lost Ark jusqu'à... 23h, donc 19h20, 19h30 à 23h à peu près, 23h30. Et samedi, peut-être un peu de Lost Ark ou de Assassin's Creed, voilà, dans l'après-midi. Disons midi à 15h, 16h par là. Et après, je terminerai le live, je serai parti. Puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Je vais à Lisbonne pendant quelques temps, 3-4 jours là. Merci. Donc le prochain live sera ensuite jeudi, semaine prochaine. Engagé envers toi. Alderoi, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. Que les paroles, c'était... Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Yggdrasil. Allez, guerre, les amis, allez, guerre. Cache-toi! Ah!
Eivor. Pars. Vite, arrête-toi. Je t'en supplie. Au galop. Je t'offre ma vie. Épargne mon clan. Tu as ma parole. C'est pas... Non, Varine. Pareil, combien qui vont tous les tuer après? Il est gelé en plus. Et bah voilà, c'était prévisible. C'était couru d'avance. Ça commence bien. Je peux laisser l'Animus moduler ton identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. Est-ce qu'on se laisse faire ou est-ce qu'on choisit plutôt... Est-ce qu'on est... homme et femme ou est-ce qu'on est plutôt une femme ou plutôt un homme? On va se laisser faire. Parfait. Je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups? 17 hivers?
18. Suis-je partout dans tes rêves? As-tu chauffé les reins? Tu te souviens de ça? Ah, la hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave. Asservi. Et humilié. Et tu mourras seul. Tuez tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, on tue sa famille, on tue son équipage. C'est la fête. Toujours plus. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein? Au navire. Au moindre geste. T'arrache les yeux, tu entends? Le vent souffle du sud. Nous partirons au nord avant de couper vers l'ouest. J'avais paramétré les dialogues pour qu'ils s'affichent les sous-titres. Et c'était quand j'étais en 4K et là, j'ai réduit en 1080p. J'ai l'impression que les dialogues sont écrits vachement gros. Du coup, je regarderai pour la prochaine session pour que j'en aille dans les jeux. Taille des dialogues, c'est peut-être un peu voilà. Ah, allez. Je fais une petite brochette. Pas de festin pour toi, Céline. L'équipage est en danger. À toi d'être mes yeux. Non, c'est parti. On va pouvoir réellement commencer enfin l'histoire. Non. Max, j'ai mon chat qui vient me voir, bien sûr, juste à ce moment-là. Alors... Mon équipage est en danger. Il faut que je le rejoigne. C'est quoi cette résonance-là? Il est dans une caverne ou quoi? Puis vous avez vu beaucoup de gens courir à moitié dans le sol là. Non. Ok, 2 pièces d'argent. Ouais, je vais aller loin avec ça. Essayons de casser peut-être les caisses qui est là-bas. Je peux pas sauter pour le moment donc. Ça, je peux pas le casser. Ok. Alors je ne l'ai pas joué du tout Assassin's Creed Valhalla. J'ai regardé vite fait quelques let's play, mais je n'ai toujours je n'y avais pas encore joué du tout. Donc je découvre avec vous pour ceux qui si vous n'y avez pas joué. Ok, on peut escalader. Ça c'est un Assassin's Creed hein, après tout. Si on peut pas monter sur les murs. Ah, est-ce que des petits trucs à fouiller? Waouh, une pièce d'argent! J'ai cassé le truc, mais j'ai rien du tout. Ah, putain, ma souris est sortie des grands. Génial. Ok. Vraiment rien. Bon. Eh ben, cassons-nous. Je sais même pas par où il faut aller. Ah, la fameuse vision d'Odin. Et ben, les anciens, c'était quoi la vision de Lake, je crois. Déjà. J'ai ma souris qui arrête pas de sortir de l'écran, c'est vraiment cool. Je sais pas si je peux la capturer.
Alors moi je passe mon temps à tout fouiller. Hein. Enfin, Assassin's Creed après tout. Hein. Faut fouiller. Voilà, Y pour voir la vision d'Odin. Je sais pas Y, disons. D'accord, ok, j'ai tout débloqué visiblement. Je peux rien faire là, hein. Je suis bloqué là. Ah si, Y. Ah, bien sûr, allez. C'est bon, c'est fini? Non, c'est pas fini. Bon. Allez, c'est fait un ding 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 dong là. Merci. Auto-affectation. Deux points. Ouais. Corps à corps. Discrétion. Dégâts à distance. On va pour bon, on va mettre le corps à corps. Ah. Je clique et ça ne marche pas. J'ai un point mais je ne peux rien affecter. Ah non, zéro point, pardon. Oh, mais écoute pas. Ok. Donc ça c'est suivi le codex. Bon ça c'est le classique si je peux dire. Qu'est-ce que je n'ai pas lu? Il y a un truc là, il y a un petit combat. Les points faibles. On verra ça plus tard, on est là pour avancer. Pas tant de temps que ça. Je me sens mieux. Alors. Plus forte. Montre-moi. Un petit point blanc, jaune, point de richesse apparemment. Là, il y a un point, je pense qu'on va pouvoir faire le saut de la... Saut de l'ange là. Ouais, dans une caverne. Pardon. Mystère artefact. Est-ce qu'on a des trucs comme ça ici? Non, là on a de la richesse. La richesse. Le bateau. Un point d'intérêt ici. Ici on a de la richesse. Richesse. Et là-bas aussi. Ok, je pense qu'on a fait à peu près tout le tour. Ouais. Gardons ça pour plus tard. Ah oui. Alors j'aime beaucoup l'effet de neige. Je trouve que c'est assez sympa là, d'avoir les traces. Alors elles sont peut-être un peu grosses pour juste deux pieds, deux jambes, mais bon. Au moins elles ont le mérite d'exister. C'est toujours pas mal. Escalader. Je montais tout le monde. Hein. C'était pas le point le plus haut, dommage. Et ben, c'est un trou, ça. Hein. C'était pas une flaque ou je ne sais quoi. Dommage de devoir péter les caisses et ensuite de devoir fouiller pour récupérer les trucs. Alors on pourrait juste que lorsqu'on casse la caisse, en fait, on récupère directement le contenu, mais... Non. Hey. Ok, donc là on a de l'eau et on a surtout un point de synchronisation.
C'était bien visible après tout, hein, comme toujours, les points hauts dans Assassin's Creed. Pour ceux qui se demandent, je joue en ultra. À Valsnes, c'est là que ce briseur de serment. Il y a eu peut-être une caverne, un truc du genre. Des lutins récupérés, mais non. Peut-être c'est là que ce briseur de serment retient mon équipage. Est-ce que je descends du bon côté déjà? Oui. Alors la quête elle est là-bas. Oula, attends. T'as lu. Que vois-tu, Sinine? T'es là-bas. Attends, il y a un mystère là. La richesse là. Ok. On va aller d'abord récupérer les richesses qu'il y a ici. Après tout. Le but, c'est d'explorer le monde. Quand on va s'approcher, j'appellerai le corbeau. Là pour le moment, on n'est pas encore assez proche du lieu. De ce que j'ai vu, du coup, avec le corbeau, on pourra faire des sortes de reconnaissances. Ce qui peut être vraiment pas mal. Repérer les ennemis, les marquer et tout. On pouvait faire la même chose, je crois, dans Odyssey. Avec. T'as un aigle ou un corbeau aussi? Je sais plus. Ça remonte à un moment que j'ai pas joué au Odyssey. Alors, on peut s'accroupir. Après, vu mon avis, il doit y avoir un grand. Beaucoup de gens vivant ici, mais bon, on va quand même faire un petit. Va voir, Sinine. Un petit repérage, ça ne coûte rien. Ah, ça a l'air d'être sous l'eau. Il y en a un sous l'eau et un au-dessus, apparemment. Ok. Mon chat qui vient de faire une crotte là, c'est terrible. Voilà. Allons-y. Là, il doit pas y avoir pas grand chose, mais on va quand même fouiller. Donc on passe. Je ne dois pas être un genre. Ah bah, je l'avais pas vu, putain. Mais, tout à l'heure avec l'aigle. Guide-moi, Sinine. Je voyais pas tout à l'heure avec l'aigle, lui. On les tuera au retour. Ah oui. Mais en fait, il y en a un peu partout. J'ai un arc. Comment je le sectionne? Pas comme ça qu'on sectionne. Non. Table, c'est pas table. Échappe. Comment je fais? I, inventaire. Comment je sais que ça de mon arc? La touche 1, 2, 3. La molette. Ah, ok, j'ai trouvé. C'est pas la molette, c'est pas. Quand on zoom. Hop, et un de mort. Pardon. Cacher là-dessous, ouais, ok, d'accord. Cacher si on veut. Comment je récupère du coup mon arme? Ok, la hache, on la reprend automatiquement quand on a rangé notre arc. Donc, c'est plutôt le switch entre les deux qui va être un peu là en zoom. Ah, ok, ça marche. Bon, et ben, quand il faut, il faut. Hein. Je ne peux pas rester longtemps. Enfin, je me doute que tu veux pas rester longtemps dedans. Vu la température de la flotte,
ça doit être revigorant, n'est-ce pas? Ah, il y a un petit pont là. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va se casser quand je vais passer. Je vais me transformer en glace si je reste ici. Ok, bon, il n'y a pas grand chose. Max, ça suffit. Ah, je ne peux pas monter là. Ok. Ouais, c'est pas grave, on va monter comme ça. Comme ça, tiens. Ah, je pensais que ça allait casser quelque chose, mais en fait, non, pas du tout. Ah, mais il y avait un chemin par là. Ok. Attends, j'ai pas fait le tour, donc je peux pas le savoir. On va monter là, du coup. On va pas monter là sur ce. Plutôt. Ouais, si, quand même. Allez, monte. On va essayer de sauter en face là. Oui, c'était pas une grande idée ça. On peut pas monter là sur ces poteaux là, putain. Je pense qu'on peut monter normalement, non? Visiblement non. Ah, je suis bloqué. On peut lâcher, mais... monte. Mais c'est pas très réactif, hein. Allez, bouge là. Descends. Comment on monte? Il y a bien un moyen de monter là-haut. On n'a pas d'endurance parce que bon. Sans endurance, ça ne sera jamais arrivé à monter où que ce soit. Hein. C'est-à-dire qu'on peut jamais monter là si. Le perso il veut pas, hein. J'ai beau insister mais. Là on peut pas grimper. Là c'est. N'importe quoi. Ah oui, je me disais bien quand même qu'on devait pouvoir monter. Fais gaffe qu'il n'y ait pas un ennemi qui se cache et s'il y a un feu. On va prendre des flèches. On va cramer. Allez, non, on se calme. Voilà. C'est parti. Je suis monté pour redescendre, bien sûr. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Un lingot de carbone, alors je sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est utile. Parce qu'il y a une synchronisation ici. Il n'y en a pas. Par contre, je vois qu'il y a du feu, je me demande pourquoi est-ce que... Je me demande pourquoi est-ce que il y a du feu. On a un truc de feu activé ici. Ah oui, là-bas. Ouais.
sortir bien beaucoup plus haut. Ah oui, ok, d'accord. Essayer de l'avoir, hein. Putain. Pas grand chose, bon, on est beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit. On va descendre. Par contre, la descente, je la sens mal. J'aimerais pouvoir sauter, mais il veut pas. Il ne veut pas. Ok. Et là. Là, tu vas pouvoir me laisser descendre, s'il te plaît. Aïe, ça va faire mal. Détecté par Kink, ici. Mais il y avait personne tout à l'heure. Puis les fouiller d'ailleurs les gars, c'est chiant ça. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Ah non. Porter. Viser. Et hop, à la fenêtre. C'est le mec qui était là. Qui est monté là. Le temps que je descende. Bon, alors c'est le mec Harry Pop qui était là. En tous les cas, il est plus là. Est-ce qu'on va se le faire celui-là, cette distance? C'est pas un zoom très élevé. Hein. On l'a eu. Non, oh, il est pas mort. Ah, j'ai plus de flèches. Et bon, on le termine au corps à corps. Mage et attaque puissante. Oh putain, oui, attaque puissante, lui qui l'a rien vu. Il a volé une flèche. Cool. Ah, fouiller, si on peut les fouiller. Ok. Ils étaient deux vraiment tout à l'heure. Inspecte les alentours, Sinin. Attends. Il y avait des trucs d'or, hein. Une marque de richesse. De la richesse, normalement. Ah oui. Ok. Ça ne le vole pas, moi je compte bien le voler, même le tuer en fait. Ouais, oh, oh, on se craint. Ok, mais il n'y a rien, il n'y avait vraiment aucune chaise à voler quoi, juste un truc à lire. Bon, est-ce qu'on peut pas se soigner avec quelque chose là? Il a dit tout à l'heure là qu'on avait des consommables, des trucs qui pourraient nous soigner, ben, on en a des flèches. Ok, c'est où le truc là avec lequel on pouvait se soigner? Ah c'est bon. Ok, on n'a pas les touches pour... C'est chiant parce qu'on n'a pas les... Pas encore les touches pour grailler et tout ça là. C'est pénible. Hein. Putain, quand ils nous liront, c'est pénible de pas pouvoir faire ce qu'on veut. Par exemple, il me dit que j'ai deux flèches. Techniquement, j'ai un carquois complet. Comment je sélectionne les flèches? J'ai pu essayer les raccourcis clavier. Et que dalle. Petite balade dans la toundra. Oh.
avantageux. Qu'est-ce que tu vois ? C'est un renard ? C'était quoi ça ? Que vois-tu, ma vieille amie ? Ah, je l'ai tué juste pour le tuer ? Non, non, mais là. Et c'est quoi ça ? Un renard. Ok. Essaye de faire le renard. J'aimerais bien quand même pouvoir changer de munitions sur mon arc. Ah, on peut l'améliorer du coup avec des ressources, du cuir et tout. Pareil ici. J'ai pas assez de cuir, hein. J'ai que 5 de cuir clairement. C'est pas beaucoup. Flèche de prédateur, flèche de chasseur. Je vais comment du coup pour les équiper. C'est terrible, c'est tout là. Ah. Du fer qui résonne. Ah, désolé, je viens de me rendre compte que la fenêtre a été complètement bougée. Désolé, vraiment. Je ne peux pas. Ok. Dag, vieux chien, tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi ? Piotr a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Valsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureuse de gloire. Tu irais les sauver toutes. Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche. Oh, et tiens. Ce cadavre n'en aura pas. Ah, désolé, je passe un peu le dialogue. Je te retrouve. Mais je vois le temps qui défile et. Et l'heure se rapproche pour le ciné. Alors. On va localiser, mais d'abord on va monter. Oui, je sais, je vais appeler le commandant. Ah bah voilà, c'est équipé. Alors, c'est quoi ça? C'est I. Ok, il existe plusieurs armes. Arme principale. Arme secondaire. Arme à deux mains. Les arcs. Ok. Alors, le bouclier. Ah oui, ça sera mieux. On va déjà pouvoir se protéger. Peu. On va modifier ça. On n'a qu'une seule arme, ok. On peut pas toujours pas y toucher. Toujours pas de truc, rien. Rien et rien. Ok, ça c'est les miliciens, on s'en fout. Ah, utiliser arme secondaire. Oh, d'accord. Ok. Oula, 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 c'est dangereux ça. On peut tomber. Alors appelons le corbeau. Sois mes yeux, Sinin. Y'a rien d'autre dans le coin. Ah, y'avait un truc là-bas, j'ai oublié. Je suis passé totalement à côté. La maison là. Voilà, on va la détecter.
putain, c'est chiant, j'ai ma souris qui se décolle de du jeu là quand je vole. Du coup, je suis un peu embêté à chaque fois. Alors, il y a un mystère là-bas. Ensuite, ici, il y a quoi? Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. C'est un peu vide, hein. Il y a de l'or ici. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a des gens aussi. C'est quoi ça? C'est moi qui me fais repérer? Je suis dans la zone de repère, donc quelque chose. Là, il y a un bonhomme. Ah oui, je pense que je peux faire un truc ici, mais j'ai pas encore le. Je pense que j'ai pas encore le truc qu'il faut. Il me semble qu'après, ça permet de détecter genre tous les trucs dans la zone. On va aller chercher la richesse là qui me manque là-bas, quelque part par ici là, et on reviendra ensuite ici. On va avoir bon temps à faire l'aller-retour, hein. Ça va aller vite si on se tue pas. Ouais, ça c'est pas gagné. Là, j'ai envie d'écouter là, des chants. Comment dire? Chant viking, chant hispanique, nordique, je sais pas comment dire. Pas celte, druidique, ouais, si, peut-être un peu celte. Ça retombe un petit peu dans cet univers, je trouve. Ça pourrait aller un peu. Ok, il y a un poteau là. C'est un des hommes de Kyoto V. Je dois rester prudente. Je veux bien, Milieu. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Ouais, ok. Ok. Ça, ration complet. Ah oui. Ah oui, j'ai pas encore trouvé comment on les bouffe les rations. J'ai pas encore le droit de griller. Ok. Allez, viens par là, toi. Trop qu'un respect. Oh, un arc brisé. Ok. Comment tu les lâches là? Démerde-toi. Aucun respect pour les mains. Aucun respect. On peut faire la popote. On peut faire la popote. Alors. Du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens ici. Faire attention. Deviens mes yeux. Ça a l'air d'aller. À vendre hein. Du cuir et du fer, génial. On va pouvoir peut-être augmenter notre carquois. Non, pas encore. Ça sera pour plus tard. Ça semble plus loin vu de l'extérieur. Bon, procédons à la suite de la quête.
bien aller avec un garde ou avec un ours. On va faire le malin. Les guerriers de Kyodve grouillent à Avalsnes autant que des poux. Si je passe par la grande porte, je risque d'attirer l'attention. Bon. Il suffit d'être discret. Hein. La maison Long, l'équipage devrait être à l'intérieur. Ouais, ouais, je sais, mais on va y aller. On peut pas le tuer encore, lui ? On a pas appris à le tuer ? Voilà, les flèches, on en a pas beaucoup. Viens ici, chien de mouche ! Ah, ok. Shit. Inutile de fuir ! C'est pas évident de se de contrer avec. Ah, je lui coupe le bras. Ok, d'accord. Contrer avec A, c'est chiant, je trouve. En fait, quand on clique droit, on obtient l'arc. Du coup, on peut pas contrer. Parer avec avec clic droit, ce que je trouve vraiment dommage. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Ouais, il faut que je trouve un moyen d'entrer, ça va être pareil ici, je suppose. Bien sûr. On va passer par le dessus. Par où est-ce que je peux passer? Par là, la fenêtre bien sûr. Alors on barricade les portes mais on sauve un grand les fenêtres. Complètement ridicule. Déjà on va déverrouiller ça. On peut pas. Ok d'accord. Hey, c'est pas un petit coffre en plus hein. De repasser un peu inaperçu. Essayez, je dis bien. Le boucan qu'on fait dans la neige, laisse tomber le carrelage. J'espère qu'il n'y avait personne là-dedans si je suis rentré dedans comme un sauvage. Ah, ils sont deux. Il y avait un deuxième garde là. Bah, c'est où? Cinématique, je peux rien faire. Alors, j'ai encore une fois j'avais la souris qui était partie. Je perds notre flèche. On peut détacher les trucs, j'ai l'impression. Ah non, saut. Ça me semblait aussi étrange de pouvoir détacher tout les rondins de bruit. Le fait qu'on puisse
puisse pas voir à l'intérieur, c'est pas mal. Du coup, c'est chiant. Parce que du coup, on voit vraiment rien là, comme ça à l'intérieur des maisons. D'ailleurs, j'ai pas vu l'option de du RTX pour activer sur. Voilà là. Faudrait que je regarde si je peux activer le RTX. Parce que j'ai une 270 RTX. Donc je devrais pouvoir profiter du bon petit RTX reposé. Mais je n'ai pas vu l'option. Peut-être que je n'ai pas compatible RTX, tout simplement. Oui, oui, bien sûr, j'ai les derniers drivers. Il y a des gens ici. Il y a un genre là-bas. Un homme par dessus bas. Il n'y a vraiment pas grand chose dans ce village. Hein. C'est assez vide dans le sens où d'habitude dans les Assassin's Creed c'est n'importe quel village en fait il y a toujours du contenu à voler partout. Beaucoup de contenu en général. Mais là c'est quand même très très vide. Hein. Pas beaucoup de loot. Mmh. Je crois que je suis revenu à l'entrée. Il me semble parce que c'était la maison dans laquelle on pouvait pas rentrer. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Quoique, peut-être pas en fait. Oh, je suis arrivé par là-bas. J'ai fait ces maisons-là. Ah oui, il m'en reste beaucoup à faire tout le tour. Ouais. Ok. Et ben faisons tout le tour. De toute façon, il ne peut y avoir beaucoup de gardes dans là-dedans, vu que je les ai déjà pas mal décapités. Les pauvres. Un petit coffre, hein. Du cuir, du minerai, je prends. Par contre, il y avait une petite maison derrière. Hein. Bon, juste débarras. Non mais je voulais passer par la fenêtre moi. Ah bah lâche. Ah, j'ai été vu. Je sais pas par qui ni par quoi. Mais il y a quelqu'un qui m'a vu. Ah oui. Il y avait quelqu'un. C'est vrai que je suis pas passé encore de ce côté-ci, donc voilà. On passera inaperçu là. Repose en paix. Dans les herbes. Tu verras. Tu y seras bien. Ah mais j'ai plus de ration. Full. Ah attendez, il faut que je vois quand même là pour verrouiller ce. La souris là, c'est chiant. Viseur, ça ressemble à la souris. Souris de boucher, non. Curseur de verrouillage, oui. Oui. Voilà. Et je vais en profiter pour sauvegarder, tiens. Ah, il est actuellement impossible de sauvegarder. Ah bah, ok. Soit. Là, je suis passé. J'ai fait cette maison, c'était là. J'ai fait ça, on va rentrer là-dedans et let's go pour ce fight.
je croyais que c'était une porte. Bah. Les portes, ça. Ah, où est-ce qu'on rentre? What the fuck? Attends. Non, mais arrête. Ça. Déploie tes ailes. Il y avait un truc ici. Non ? Ce bâtiment il est trop bizarre pour ne rien cacher. Oui, il y a le système de trésor là. Là c'est sûr, il y a un trésor en dessous. Comme dans Assassin's Creed Odyssey là, quand on avait ce rond là dans le curseur, il y avait forcément un trésor caché dessous. Mais là comme c'est dedans, on peut pas le détecter. Mais c'est sûr, il y a un truc là-dessous là, par là. Et je peux pas entrer. On va tenter de monter parce que c'est trop suspect. Il y a une pente pour monter sur la maison, il y a un câble. C'est beaucoup trop suspect. Ouais, on peut passer par au-dessus. Eh ben, hop. Si tu gigotes trop, ma hache va ripper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir, je refuse de te faciliter la tâche. Wesh, arrête de frapper tout le monde, toi. T'as des soucis ou quoi dans ta tête? Order 48. Je me lâche. Libère-moi et donne-moi une hache. Je ne te dois rien, fiente de corbeau. Ricky Wolf. Mon clan ne compte que des esclaves et des paysans. C'est toi le paysan. Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Et non, je suis bien là. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ouais, ça, je prendrais peut-être pas la confiance, moi, si c'était toi. Je te prendrai elle en personne. Halt pour esquiver, mais halt est... À genoux de toi, ami des loups, et je t'épargnerai. Ferme-la et bats-toi. Qui crève à ce fiante? Ils ont vraiment mal choisi un bouton là pour esquiver. C'est quoi ça, halt pour esquiver? Comment veux-tu que j'esquive quoi que ce soit avec halt? Fuck. Faut changer de touche parce que halt, c'est juste pas possible. Ils ont fumé quoi là? Regardez. Appeler F pour assassiner. Oui, d'accord. Quête, sprint, s'accroupir et halt. La touche qui est là. Impossible de faire quoi que ce soit avec cette touche. Je peux pas changer? Déplacement auto, non. W, c'est pas ça. S'accroupir. Et du halt. Pour esquiver. Corbeau, navire, caméra, combat. Alt, F, tir secondaire. Ouais. Esquiver, contrôle quoi, au moins. Ouais. Déjà conflit avec marche. On s'en fout, on est en combat. Et au moins là, je peux faire quelque chose. Ah,
peut-être pas ça la manette. Ah, appuie sur H pour consommer. Eh ben maintenant je sais que c'est H pour consommer la narration. Mais en vrai, je vais peut-être pas ça la manette. Je pense que le jeu a été pensé plus pour jouer à la manette que jouer au clavier. Malheureusement, comme souvent maintenant. Je vais te vendre à Hell en personne. Agenouille-toi, ami des loups. Agenouille-toi. Ferme-la et bats-toi. C'est toi là qui va t'agenouiller, mec. Tu te crois. Oh là. Sac de viande. Sac de viande. Toi, le sac de viande, mec. Ton heure est venue. Ah, je suis en endurance. Chier. Mais what, il m'a retiré toute ma vie d'un seul coup. Mais c'est quoi cette arnaque? Il m'a mis deux coups, il m'a mis à terre quoi. Agenouille-toi, ami des loups, et je t'épargnerai. Ferme-la et bats-toi. Eh, plus de flèches. Crève, sac de fiente. Oui, bah, sac de viande, c'est ce qu'il dit. Ouf. Ok. On l'a littéralement éclaté. On se parle bien sûr de sa tête. Père, tu aurais dû la garder en main. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Oui, ok, d'accord. Il y avait un bonhomme là, il était là. Lien d'honneur. Ah, on discutait avec papa. Ouais, c'est ça. Oui, je te suis, papa, je te suis. Ah, ouais, mais là, j'ai pas le temps pour les cinématiques, les gars. Oui, bien sûr. Oh non, je vais te couper la tête, tiens, pour te libérer. Parle trop. Raccourcir d'une tête, ça ira mieux après. Ou d'une langue. Je voulais fouiller des trucs là. Ah, des flèches. Ah, j'ai une armure maintenant. Ah ouais, j'ai mon armure. Oui. Un bouclier, meilleur. Ah non, une meilleure hache. Ah, par contre, c'est une hache à deux mains. Ah non, hache à crochet. Ah, attends. On a déjà fini de s'équiper. Comment est-ce que ça, je peux recycler? Pas recycler. Pas de home. Capuche. Ok. Et du coup, ça, je vais prendre cette petite hache. Oh, petite hache, oui, si on veut. Ouais, j'ai déjà un petit peu plus d'allure là. Bon, allons libérer les oies là, parce que.
peux améliorer. Oui, qu'est-ce que tu veux que j'améliore maintenant? Sur quoi? Je peux pas. Ça, je peux pas. C'est pas améliorable. C'est pas assez. Pas assez, mec. Pas assez. Peu de gens font preuve d'une telle bonté. Même si tu semblais loin d'ici. Écoutez, si vous respirez, vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire deux fois. Fichu. Putain, mais on arrive toujours là. Reste au sol, t'es bien au sol. De bouffe là, oui. Plus rien. Ils se sont partis foutre à l'intérieur. Putain, mais ça continue d'arriver. Je soupçonne que ça va spawner à l'infini tant que j'aurai pas revendu les biens. Chercher la bouffe qu'il y en a pas. Ton destin est là. Avec toi, ça fera le cas. On va essayer de se battre. Hein. Ah oui. Tu veux me jeter des flèches, vas-y. T'es un archer, donc t'es pas très solide, ça va. Faire mal ça. Allez. On va finir ça. On va le choper. On va récupérer notre navire. Et ensuite, on finira le stream ici. Pour la simple raison que il va être l'heure d'y aller. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs à looter ici? Qui est dans la baraque pendant qu'ils sont en train de se faire castagner. Rien. Mais non, descend de là. Les caisses sont en dessous. Oui, je sais, il est 21h, je sais. Jag, okay. Radi, Avoram, okay. La voix des baleines nous ramènera. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, j'ai pris le commandement mais elle se balade de gauche à droite là. Hissez la voile. Non, on peut pas les diriger. Ah si. Ok.
Bon, on est bien là. On va faire une petite sauvegarde. Créer une nouvelle sauvegarde. Putain, j'ai pas de sauvegarde du tout en plus. Riggslavik. Ok. Et bon, et ben. Aucune perte au combat. Et ceux qui nous ont humiliés sont morts. Pourquoi là j'ai encore des points qui clignotent ? Quelque chose comme... Petit oiseau. Montre-moi ces terres, mon ami. Inconsciente, entêtée et je... Il y a des points là-bas que je n'ai pas fait. Ah oui, là-bas par contre, c'est pas fait. Il y a un mystère là-bas, donc on va aller le faire. Là-bas, il y a de l'or. Ce point de démarre. Point de démarrage. Non, pourquoi j'ai affiché le... Je peux pas afficher ça, désolé. On va aller chercher l'or et ensuite on va quitter. Ça laissera d'exploiter le peu de temps qui nous reste. Je préfère ma version. Hissez la voile ! Voilà. Bah j'ai demandé un champ. Pas de champ pour moi là ? Ramenez la voile ! Sigurd ! La voile ! Ouais. Demandez un chant. R. Bon, ils ont pas envie de chanter, visiblement. On va chanter pour eux, hein. Ah, oh, si je chante, il va se mettre à pleuvoir. Déjà qu'il pleuvait déjà tout à l'heure. On va éviter qu'il pleuve encore plus. Allez. On se dépêche. Mais il rame plus du tout là, cette bande de feignasses là. Avec la voile qui travaille. Pose-toi là, c'est parfait. Saute, saute, bordel. Voilà. Petit oiseau, dis-moi si tu vois des choses. Des ennemis ou pas ? Il y a un genre en tout cas. Chose d'autre, cela dit. Des petites maisons, sans plus. Ok. Peut-être on aura quand même quelques loot, hein. On va commencer par la maison au fond. Est-ce que j'aurai le temps, ouais. Je sens bien le blabla là, venir. Le loup. Désolé hein, mais j'ai besoin de ta fourrure. Hein. Ton cuir. Putain, rien. Ah, ouh, il y avait pas rien. Une opale. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est un truc à garder parce que. Le jeu a fait une auto-save juste après l'avoir récupéré. Sur nos riants et fertiles rivages. Fertile ? Pour la même définition de fertile. Ok, on peut rien goûter là-dedans. Bon, vas-y, blabla. Je ne m'attendais pas à trouver. Pourquoi ? C'est l'Angleterre, contrée des Saxons et des Danois. Nos rivages sont ouverts au commerce. L'Angleterre, je ne la voyais pas comme ça. Ceux de Norvège trouvent le voyage étourdissant. Oh, non, en Angleterre, ok. Est-ce que tout va bien ? C'est mon fils. Il est chez les Pictes au nord du mur. Où qu'ils peuvent... Tu as parlé de guide...
Ok, j'irai te le chercher, ton fils. La cité de Lunden, fondée par les Romains en des temps anciens. Il n'y eut aucun autre bâtisseur semblable depuis. Ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Ouais, je sais, j'ai plus le temps. Téléphone qui me rappelle, elle a raison. C'est un peu chelou, hein, ce truc-là. C'est quoi? C'est des intérieurs, ça grande, ok. La récompense pour le moment, c'est de traverser des terres gelées, alors merci bien. J'espère qu'on va avoir autre chose que de la verdure, que du blanc gelé, parce que mes yeux, ils sont en train d'être brûlés là par le. Allez, appuie le deuxième opal. Je l'aurais pas. Mais lui, oui. Ah, c'est pas une bonne idée, ça. Elle est ouf, petite biche. Moi, ils nous ont épargné le côté où on arrache la peau là des pauvres petites bêtes là. Par contre, c'est bizarre que ça brille comme ça, ce truc là. Détruisez. Ah ok, pas comme ça. Le minerai de fer. Ok. Cool. Et ben, on vient de trouver un truc en plus, hein. Ça c'est cool. Peut-être ça pourrait être un minerai aussi, ce truc là, là-bas. Je pense pas, hein, mais on sait jamais. Bon, alors, c'est juste un rocher. Bon, le loup, très agressif. Hein. C'est cool de pouvoir trouver du minerai de fer comme ça. En plus, c'est quand même pas mal. C'est sympa. C'est cool d'avoir pensé à mettre des gisements qu'on puisse récupérer comme ça. Ouh, il y a un ours. Je veux l'ours. Je sais pas où ça mène l'eau, j'ai pas envie de le savoir. Allez. Ben, on va se choper une ours. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que. L'esquive qui fait 3 km de loin. Mais, wesh. Mais vas-y bien là où c'est plus glissant parce que j'en ai marre de tomber. Mais quand même, il touche là, je suis sur le côté. Hein. Wesh. Genre, je suis mort à cause d'un ours. Attention, il est 21h10. Je vais y aller. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain 19h20 ou 19h30 pour un stream sur Lost Ark. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous et à bientôt.
more time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me, everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere.